J'ai 27 ans et j'ai aucun vécu parce que la dépendance physique me fait de plus en plus chier. Surtout pour justement tout le côté primitif, je dirais. C'est ce qui fait peur dans le handicap. Toutes les bases. Se laver, manger. Pisser, chier, baiser, c'est ça qui rebute les gens. C'est pas le handicap qui fait peur aux gens. C'est le degré de dépendance physique. Plus tu seras dépendant, moins on osera t'aborder. Moi, j'aimerais bien avoir besoin de personnes à ce niveau-là. Je parle à ce niveau-là, bien sûr. Parce que c'est très chiant, parce que c'est du travail, j'ai pas envie d'être du travail toute ma vie. Et heureusement, j'ai rencontré des gens pour qui je ne suis pas que du travail. C'est cool parce que je me souviens plus de quand a vraiment commencé ma relation avec Nicolas. Quand est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est créé, j'aimerais bien avoir ce souvenir. Et en fait, avec Nicolas, j'ai pris conscience que j'avais un ami. Mais c'est un ami dans le sens, au sens inconditionnel. J'avais un ami et j'étais rassuré. Je me suis dit qu'avec lui, j'aurais au moins toujours quelqu'un. C'est la première fois que ça me faisait ça. Et juste quand j'ai pris conscience de ça, j'étais super heureux, ça m'a vraiment fait super du bien, et juste à ce moment-là, il est mort. Et moi, quand il est mort, pendant 2 semaines, je faisais une seule chose, pleurer, quoi. Je fais que ça pendant 15 jours, j'arrivais à rien faire d'autre, parce que sinon, déjà, j'avais pas envie. Je me forçais à essayer de faire autre chose. Mais j'avais pas envie parce que j'avais. Pour moi, c'est lui manquer de respect que de faire autre chose. C'est comme si je m'en foutais. Et bref, donc je faisais rien. Et je serais pas me rappeler quand c'est revenu. Quand je suis revenu à la vie. Tu te remets à faire des choses. Et après, tu te dis une seule chose. Le principal, c'est de pas oublier. Mais quand je pense à lui, ben, ça me fait du bien parce que avec lui, j'ai que des bons souvenirs. Donc quand je pense à lui, ça me rend pas triste ou quoi que ce soit. Bon, ça me fait chier de me dire qui est plus là, mais genre, enfin disons que j'en deviens pas triste en pensant à ça. Je pense qu'aux bonnes choses que j'ai vécues pleinement avec lui, tout ce que j'ai partagé, puis justement ce qu'il a été pour moi. C'est pas parce que tu vois les gens que tu les regardes. Et moi, j'ai le temps de regarder les gens. Et avec le handicap, je n'ai pas d'autre choix que de regarder les gens. Parce qu'étant donné que j'ai besoin d'eux.
physiquement. Si j'ai pas d'aide physique, je peux rien faire. Donc j'ai pas d'autre choix que de regarder les gens. Si les gens s'arrêtent sur moi, bah c'est qu'ils me considèrent. Et inversement. Sinon, tu t'arrêtes pas sur quelqu'un. Que des gens aient confiance en moi, bah ça m'aide à avoir confiance en moi. Parce que ça prouve qu'on me considère. Qu'on considère ce que je suis, et ce que je dis, et ce que je fais, et qu'on fait pas style de se considérer, tu vois. Qu'on est vraiment sincère. Qu'on pense vraiment sincèrement ce qu'on dit. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de confiance et de sincérité. Elle, dès que j'ai rencontré, j'ai su tout de suite que je ressentais des trucs hyper forts pour elle, mais au début, je me sentais trop mal parce que j'avais encore une fois peur de la faire fuir et j'avais pas envie que ça soit une relation provoquée. Elle a écouté ce que j'avais à lui dire et aujourd'hui, elle me considère pareil, tu vois. Et ça, je souhaite à n'importe qui parce que c'était mon rare. Avec elle, je suis complètement moi, j'ai pas honte de ce que je suis. Et aujourd'hui, je vis une relation parfaite avec cette nana, une relation très forte. Je vis un rêve, quoi. C'est vraiment... C'est inespéré, quoi. C'est vraiment merveilleux, parce qu'elle m'apporte tellement et je suis tellement... J'ai vraiment une sensation de vivre, vraiment vivre pour ce que je suis. Et ça fait tellement de bien qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il n'y ait pas de moquerie, que ce soit la vie tout simplement. Et moi, c'est ça dont j'ai besoin. Si tu partages des choses avec l'autre, c'est que tu as confiance en la personne. Et ça, c'est tellement valorisant aussi. Quand je vois tout ce que j'ai partagé avec elle, tout ce à quoi elle m'a laissé accès de sa vie privée que je suis pas censé savoir, ça fait tellement de bien qu'il n'y ait aucun préjugé, aucun doute, qu'il n'y ait plus de crainte. Ouais, tu as vraiment plus de crainte. Quand t'as conscience de ça, t'as conscience qu'il n'y a plus aucun risque. Donc t'as plus la peur de perdre l'autre. C'est tellement libérateur, quoi. Parce qu'il n'y a plus de souffrance. Aucune. Je sais qu'il y a des gens qui sont vrais. Qui sont sincères et qui ont vraiment envie de t'aider. Et ça, ça fait tellement de bien. Et ça rassure tellement aussi.
j'ai pris conscience d'une chose, c'est quand on a envie de dire je t'aime aux gens, il faut leur dire, dès qu'on a envie de leur dire. Ça a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie.